Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau championnat Nintendo Go Team sur Verali. On avait fait Verali 3 à l'époque, qui a duré pas mal de temps d'ailleurs, parce qu'on avait fait le mode carrière avec le début en 6 et en 2 litres. Ici, on retourne aux sources avec le premier Verali sorti en 97 sur PlayStation. Vous avez remarqué une petite différence. Alors Speed Verali, alors que normalement le jeu, bah, c'est Verali tout court en fait. Hein. Je ne sais pas de quel, pourquoi en fait il y a eu une alliance avec Electronic Arts et Infogrames, mais dans tous les cas, on a deux jeux alors que c'est le même quasiment, une sur Speed Verali et Verali tout court. Cette version a juste une particularité, c'est d'avoir une voiture supplémentaire par rapport à la version Verali tout court. On va du coup partir pour un championnat. Alors on va mettre la difficulté As dès le début, on est des fous. On va faire voilà, le plus difficile possible. On va voir un petit peu au niveau du setup screen. On va garder le 16/9 off, hein, puisque de toute façon on est sur un écran 4 tiers. Son option on va garder par défaut, je pense que c'est très bien. Je vous laisse je vous laisse apprécier cette musique. Mais alors vraiment, c'est pour ceux qui ont connu Verali à l'époque. Je pense qu'ils ont aimé la bande son. Enfin, en général, beaucoup l'ont aimé. Franchement, c'est super calme. C'est un loop super, super bien. Ça sent pas ce que les vacances. Allez, c'est parti. Player setting. On va du coup faire un nouveau joueur. Alors du coup, on va faire premier. Voilà. On va mettre notre nom. Alors l'avantage toujours, hein, évidemment, des pseudos en trois lettres, enfin, en tout cas des noms en trois lettres, c'est que ça rentre. Voilà. Du coup, on va prendre celui-là. On va changer notre voiture. Alors, vous allez voir les voitures disponibles. Je vous rapporte au test de Verali qui a été fait il y a 7 ou 8 ans. Donc, on a la 106 Maxi, la Saxo Kit Car, la Felicia Kit Car. Il y a énormément de voitures. Vraiment. Avec les vieux logos Nissan Motorsport. L'Almera Kit Car, la Ibiza Kit Car Evo 2, qui d'ailleurs avait remporté pas mal de courses, enfin de rallye à l'époque. On a la Renault Maxi Mégane. Aura pas trop pu lutter d'ailleurs en rallye contre les 306. Elle a fait un rallye, je crois, en WRC. D'ailleurs, ça s'est terminé sur un double abandon. Un truc comme ça. La 306 Maxi, que l'on connaît tous très bien pour avec Delecourt et Panizzi. Par contre, elle aura eu un peu plus de gloire, même si elle aura pas forcément gagné, mais elle aura vraiment mis la nique au WRC à l'époque. On arrive avec les WRC, du coup, la Ford Escort WRC version 97. La Lancer Evo 4, 97 aussi. On a la Subaru Impreza WRC. Et voilà, la Toyota Corolla WRC qui n'était pas présente dans la version Verali classique. Donc nous, on va faire la petite kit car. Pour une fois, on va s'amuser un petit peu avec des petites voitures. Alors on a la 106 Maxi, donc dans toute la particularité en vitesse, etc. On a une petite Skoda Felicia kit car, une Almera, une Ibiza. Je sais pas trop ce qu'on va prendre. J'aime beaucoup l'Ibiza, mais l'Ibiza je vais la réserver pour un autre jeu de rallye, je pense, pour une fois. La Maxi Mégane, la 306. La 306 c'est assez classique, donc on va pas la prendre. Je voudrais se remarquer quand même les puissances. On passe quand même, regardez, 300 chevaux à 200. Je vais prendre la 106 pour autant de la Saxo. Je vais prendre une Skoda. Je pense qu'on va prendre une Skoda, juste pour rigoler un petit peu et pour voir un peu ce qu'on peut faire avec notre Skoda. Quoique l'Almera est pas mal aussi. Hein. Allez, écoutez, on va tenter là-dessus. Elle a un poids qui est pas très élevé. On va prendre Max Torque 130. Elle est quand même, hein. Elle a quand même pas mal de patates. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant avec ça? Ouais, il y a vraiment trois classes différentes. Hein. Ça, c'est la classe la classe plus faible en fait. On a la classe un peu au-dessus. Je pense qu'on va quand même partir sur une classe au-dessus finalement, parce que sinon on va être trop lent. Du coup, on va prendre. Bon, une Nissan Almera. Je pense pas que ce soit la voiture qui vous fasse rêver le plus, malheureusement, mais bon. On va afficher les kilomètres heure. Et on va partir pour un mode championnat. Alors, mode championnat, vous allez voir, c'est assez. Alors, on peut changer le nombre de tours. On va laisser 3 tours. Je pense que c'est très bien comme ça. On va du coup garder celle-là, voilà. Je vais faire. On va faire un nouveau championnat. Et alors, vous allez voir, c'est assez particulier. On a tous les rallyes déjà disponibles en fait. La Corse, la Nouvelle-Zélande, les Alpes, la Suède. Voilà tout ce qu'on va faire. Et chaque rallye, on peut les faire dans l'ordre, dans le désordre. Et chaque rallye, en fait, ben, on va devoir finir devant les autres. Et du coup, on va marquer des points. Et évidemment, c'est au total tous les points qu'on va gagner.
Non, pas. Je vous propose de faire, bah, en fait, dans l'ordre, on va faire avec le rallye d'Indonésie. Avec un circuit, ma foi, assez simple, hein, avec, on va les réglages. Les suspensions, on va laisser en médium. Gération, on va laisser en normal. Je vais vraiment laisser tout par défaut, parce que franchement, je ne connais pas la voiture. Et chaque voiture est un peu différente. Hein. Vous allez voir. Bah, pas forcément le voir là, puisque vous n'allez pas pouvoir comparer. Mais pour avoir testé un petit peu avant, chaque classe est un petit peu différente. C'est un jeu qui est quand même assez dur. Il ne pardonne pas trop les erreurs. Et la gestion des collisions est une catastrophe. Je vous préviens d'avance. On va risquer de se marrer avec l'IA. Ah, parce que ça peut pas bien se passer avec l'IA tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on aura avec nous, bah voilà, tout simplement, hein, les groupes, les 4 groupes. Voilà. Alors déjà, regardez, bah, oh, la Seat qui nous a mis, qui est parti totalement en tonneau derrière. On va essayer... Aïe, ouais c'est bon. Alors regardez... Des endroits que c'est assez bizarre, attendez, moi je vais réduire mon son de mon côté parce que franchement c'est trop fort. On a des... Je me demande si le son est pas un peu fort par contre. On va quand même un petit peu baisser le son. Non, stéréo. Voilà. Avec site, on va continuer. Je sais plus ce que j'allais dire. Le son est un peu fort, ouais bon bref, c'est pas grave, je me suis un petit peu... Donc on a, oui, on a du coup la Renault contre nous. On a la Peugeot derrière la 306 et la Seat. Et du coup on est en mode difficile. On va se mettre en mode difficile. Je suis bien en mode difficile, je me souviens déjà plus. Normalement oui. Alors le premier rallye c'est pas le plus difficile parce que c'est assez large. Mais vous allez voir que sur d'autres terrains c'est très compliqué parce que l'IA nous envoie valser mais n'importe comment. Ça va être vraiment un jeu de patience. Moi j'ai un jeu de patience, mais à un point vous imaginez pas. C'est-à-dire qu'en fait on risque de se planter énormément de fois. On risque d'avoir l'IA qui va nous mettre des bâtons dans les roues, mais rien comme as. Et le décor aussi. Vous allez voir que l'interprétation des collisions, elle est assez spéciale. C'est-à-dire que vous avez des décors où vous vous dites ça ne passe pas et vous allez pouvoir les traverser. Et d'autres, non, pas du tout. Ça va être un gros non façon Mario et vous allez vous planter lamentablement. Donc là, c'est le premier rallye, donc ça peut être pas forcément tout plus difficile, mais vous allez voir qu'après ça va être un peu compliqué. Bah d'ailleurs, regardez. Ouf, la collision. Et du coup, on retourne deuxième. On a même la Peugeot qui nous a rattrapé, qui va nous dépasser, je pense. Non, c'est bon. Alors je voulais profiter au début d'un petit peu des musiques quand même, vraiment. Voilà, des samples vraiment sympas. Vous avez vu, je l'ai un petit peu touché. Elle est partie légèrement à la dérive et du coup elle a perdu un peu son grip. Et nous, c'est ce qui nous arrive à chaque fois. Donc, je peux vous dire que sur d'autres circuits où ça sera ultra serré, ça va pas être la même. Bon, on encore aussi qu'il n'a pas eu d'intro. Le rallye n'a pas d'intro. D'ailleurs, c'est dommage, j'aurais pu très bien faire une intro sympa, je pense. Alors, évidemment, ce jeu a énormément vieilli. Je dirais pas qu'il a mal vieilli. Parce que à l'époque, il était déjà très très propre comme jeu. Alors, ça scintille beaucoup parce que voilà, il n'y a pas d'anti-aliasing sur la PlayStation 1, il y a beaucoup de détails. Mais ça reste ultra propre. Vraiment, c'est un jeu, je trouve, à l'époque et même à l'heure actuelle. Surnommé la pixelisation, vraiment. Les textures sont très très propres, très bien agencées, les plantes, il y a pas mal de détails, c'est assez fourni. Le clipping existe, mais pas trop impactant. Je vais faire la même bêtise. Ouais, j'allais dire, voilà, je suis reparti au bout de 3. Alors, on peut pas sortir, hein. C'est-à-dire que si je veux m'amuser à aller sortir du décor, c'est impossible. Je vais être bloqué par un mur invisible. C'est d'ailleurs le plus gros défaut des V-Rally, hein, en soi, c'est la version savonnette des voitures et le fait que bah, ça moindre choc, ça part n'importe comment. Ça a été un petit peu amélioré dans le 2, évidemment encore plus dans le 3, mais ça reste un jeu très très difficile à prendre en main, vraiment. Je me suis loupé. Je crois que derrière il m'avait rattrapé, mais en fait non, ça va.
Alors je peux changer de vue. Voilà, pour avoir un peu plus de... plus de sensations. Et le jeu est en français, mais le copilote reste en anglais. Pour l'instant, le jeu, ça se passe bien. Hein. Je précise quand même que je me suis un peu entraîné avant pour me remettre un peu en forme sur le jeu parce que c'est vraiment un maniement particulier. Là, on est sur les circuits faciles, mais quand on va avoir des circuits avec beaucoup de virages très serrés, vous allez voir, c'est très compliqué. On va arriver, c'est terminé, troisième tour. Bon, au moins déjà, pour un spécial, on aura gagné. You finish first. Donc on a le replay, je suis un peu bête, j'ai fait les temps finaux, je les ai pas affichés. On aurait peut-être dû d'ailleurs, mais bon, je pense que ça suffira. Car setting, donc là on change un petit peu, on est dans le coucher de soleil. C'est parti. Alors je vous propose, on va voir combien de temps ça dure un rallye. Actuellement, un rallye ou deux par vidéo, ou un seul rallye. C'est assez rapide à sortir, donc peut-être qu'un rallye par vidéo. Sachant que j'ai beaucoup parlé, blablaté au début, donc c'est peut-être encore plus court. Alors je précise, j'ai accéléré depuis le début. Hein. Et vous avez vu le temps que ça a mis pour lancer l'accélérateur en fait, c'est assez impressionnant. Donc là c'est un circuit un peu différent. J'aime beaucoup les jeux de lumière dans ce jeu, enfin les jeux de lumière, il n'y en a pas de jeux de lumière en fait, mais les ambiances dans ce jeu, dans ce rallye, parce que c'est bien fait quoi. Franchement le décor, si on oublie vraiment la pixelisation, il est quand même bien fait, il y a rien du monde sur le côté, on a des rizières, elles sont pas à côté. Ça donnerait pas envie d'aller se balader en fait, on n'a pas forcément envie de faire la course, et là je fais n'importe quoi. Alors on va se concentrer quand même parce qu'on a un gap qui assez commence à s'élever. On va essayer de voir... Je connais pas trop l'IA en mode difficile, sincèrement, je sais pas ce que ça va donner. Bah, je dis en mode As, hein, mais bon, c'est mode difficile. Hein. Is et Medium... On a tendance à mettre des noms un peu valorisants, mais c'est juste le mode difficile. Ouais, là par exemple, il dit Easy Ride, mais franchement j'aurais plutôt mis un Medium parce que c'est quand même des virages assez serrés. Alors je précise que ça se joue autant, ça se joue pas à la place finale, c'est autant global sur toutes les courses. Donc on peut terminer par exemple 3 fois deuxième et quand même gagner. En fait j'arrive pas à les rattraper tellement bien. Là c'est vraiment un médium, ok, mais pour moi c'était un comme un left en fait. Alors évidemment il faut éviter les bas-côtés qui sont mais une torture pour la voiture. Et là j'ai à peine effleuré, la voiture a failli partir en tête à queue. Ah vous la sentez l'augmentation de difficulté dans ce circuit là. J'ai fait la même erreur. Hein. Alors évidemment pas de panique, hein. On risque pas de gagner toutes les courses, à mon avis ça va être compliqué. Et on va essayer quand même de pas trop perdre de temps quand on galère. Ah. Oui, on voit l'écart, hein. Je suis à 5 secondes. 5 secondes sur l'IA, je suis vraiment loin. Ah ouais, vraiment là. 7 secondes. Alors les réglages hein, peut-être sont pas très bons non plus, peut-être que j'aurais dû mettre une boîte plus longue ou une boîte plus courte. Là c'est vraiment... Le problème c'est difficile à l'avance de savoir comment va être le circuit, on a le tracé, donc on peut à peu près imaginer que ça va y avoir des gros virages ou pas. Et le réglage exact franchement, il faudra le chercher quoi, c'est pas le plus facile. Easy ride.
Alors on est revenu. Alors revenir, ça va pas dire qu'on va gagner ces derniers tours en plus, hein. Faut vraiment pas que je me loupe. Voilà, si je dis ça et je suis parti à la faute, et bien à la faute. Hein. Et voilà, 5 secondes d'euro perdu. Bon, vu qu'on est dans le dernier tour, on va essayer de juste de revenir sur eux. Aïe aïe aïe. Ah, c'était le finish. Aïe aïe aïe. 5 secondes 80. Alors, on va voir les temps quand même. Lap 1, lap 2, lap 3, ok. Est-ce qu'on va avoir un classement? Ah, j'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait les classements. Ça, c'est un peu dommage par contre, de pas avoir les écarts. Vous voyez là par exemple, je sais pas où j'en suis. Maintenant, je sais pas qui est premier, deuxième. Alors, lui, il m'a l'air un peu plus serré. On va garder, il pleut en plus. On va peut-être dû mettre la boîte un peu plus courte, mais on va laisser comme ça. Puis c'est un jeu, ça passe pas pour se prendre la tête, vraiment. Voilà. Puis c'est un jeu que j'ai à cœur de finir. Sincèrement, je ne l'ai jamais fini de ma vie. Je pense que quand on est gamin, c'est un jeu qui est assez frustrant. Ah, le chat. C'est toujours le chat qui vient à côté. Alors là, c'est un virage à gauche, easy left, hein, vous avez entendu. Et regardez-moi ça, et voilà, et c'est parti pour le vase des tonneaux. Heureusement, j'ai pu me relancer assez facilement. Ok. La vie, le degré d'étroitude, l'étroitude des virages, je l'ai pas pris à fond, hein. J'ai vraiment essayé de le prendre bien. La 206 qui s'éloigne déjà. Je découvre la spéciale en même temps que vous, donc j'ai déjà fait sûrement à l'époque, hein, mais pour souvenir, c'est pas trop ça. Alors on va revenir sur la Peugeot. Alors là, c'est quand même critique, faut pas que je fasse trop d'erreurs. Oh mon dieu, regardez, ça glisse. Là, on a un vrai virage, là c'est une vraie épingle. En plus, l'IA se foire comme moi. Moi qui me loupe comme l'IA. Alors il n'y a pas de dégâts, hein, sur les voitures, évidemment. Des dégâts sur les voitures. Et attention, l'IA qui se loupe. Voilà. On va essayer de le dépasser, ouais, dans la ligne droite, c'est parfait. Enfin, c'est avant dans la ligne droite, hein, qu'on peut prendre l'avantage. Et regardez, je vais tirer tout droit. Heureusement, ils sont un peu loin derrière. Donc là, on va essayer de rattraper. Alors ça, je pense que je peux le prendre à fond, ouais, si je gère bien. Ouh, boubou, ça fait partir à la faute. Non, c'est bon, c'est passé. Elle est rapide, mine de rien, la 206, là. Il va falloir essayer de la dépasser à un moment ou à un autre. Et pour dépasser, je pourrais, hein, mais le problème, c'est qu'il est vraiment au milieu. C'est logique, hein, il va pas essayer de prendre des risques, moi non plus. Allez, les côtes à côte. Oh mon dieu, attention. Oh là, le plus dur, c'est vraiment de contenir la glisse. Et bah, il est parti en tonneau. Et du coup, je vais pouvoir le redépasser. Regardez, il y a la Renault derrière qui en profite. Voilà, on va pouvoir passer ici. En virage un peu serré. Ok, donc là on est en tête et ça sera la Renault derrière. Hard left, on va faire attention. Et voilà, je suis encore un petit peu à l'extérieur. Allez, deuxième tour, on est en tête. Hein. On va essayer de conserver cet avantage parce que c'est vraiment important. Pour le premier rallye, surtout que c'est le premier rallye. Hein. C'est pas censé être le plus dur et je me suis encore loupé. Il va me pousser. Du coup, je pars à l'extérieur. Attention, la Peugeot qui est passée, voilà. À chaque fois au moment où je me dis qu'il faut pas que je fasse d'erreur, en fait, on se plante. Et voilà. Et dans le dernier tour, je vais me louper. Aïe, 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 coup dur. Bon, tout n'est pas perdu, mais ça va quand même être compliqué.
Il faut que je remonte très très vite parce que là ça va pas le faire. On termine encore dernier, c'est sûr que c'est fichu. Je pense pas avoir pris assez d'avance dans le dans la première spéciale pour améliorer, pour gagner. Oula, la 7 elle est partie totalement à la faute. Ouais, ça va être difficile de la dépasser. Et malheureusement, je vais terminer dernier, je pense. Et hard left, voilà, c'est là où on va terminer dernier, malheureusement. Oh, on est encore devant. On va essayer de dépasser la CA tout dernier moment. Ouf. Ah ouais, non, c'est pas super là. Franchement, on a galéré. On a galéré complètement. Et du coup, ah, on finit deuxième. Regardez le total quand même. On a fait on a fait 13 minutes 28. Le dernier a fait 13:39. Le premier a fait 13:23. Donc finalement, on a fini 5 secondes de retard. Et le troisième, 13:38. Bon, bah du coup, on finit deuxième. On finit deuxième de ce rallye. Qualification avec le premier rallye. 5-3-1-0. Et du coup, bah voilà. Donc, du coup, maintenant, il va falloir faire mieux dans les prochains rallyes. À la limite, je vous propose de, pour cette première partie, puisqu'on a perdu du temps pour la présentation, de se quitter là-dessus. On aura donc le rallye d'Angleterre ensuite et le rallye d'Espagne. Peut-être qu'on fera les deux d'un coup. On verra comment ça se passe. Normalement, on devra pouvoir faire les deux d'un coup. Et donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.